Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour notre 138e briefing. Alors, une configuration, on va être en la troïka des braves aujourd'hui, puisque j'ai Nicolas qui nous doit rejoindre, puisque Pavel est parti à Paris pour des réunions importantes. Et donc, on profite pour le saluer et lui souhaiter bon courage. Et nous avons aujourd'hui Igor, qui va assurer l'entièreté des interventions sur tous les domaines. Donc, commencez dès maintenant à lui poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé lui poser. Il sera ravi d'y répondre. Et on va lui laisser la parole rapidement. Igor, alors, qu'est-ce que tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dans ta besace? Bonjour Gilles et bonjour à tous. Effectivement, je vais assurer aujourd'hui l'intégralité du format et donc je vais commencer comme de coutume par l'économie avec des informations de la Banque centrale de Russie qui confirment les tensions sur le marché du travail, puisque d'après une enquête réalisée auprès de 14 000 chefs d'entreprise du secteur non financier, on relève un manque de main-d'œuvre dans de très nombreux secteurs, notamment dans les industries de transformation, les transports et l'approvisionnement en eau, entre autres. C'est un sondage qui a été conduit selon la même méthodologie depuis 1998 et qui donc permet d'établir une continuité dans la comparaison et de fournir des éléments relativement fiables. Donc, difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour de nombreux secteurs en Russie. Deuxième information, elle porte sur le commerce extérieur de la Russie, puisque ce dernier continue de se contracter. Il s'établissait au premier trimestre 2023 à 29 milliards de dollars contre 83 milliards de dollars l'an dernier. Et le recul des recettes est lié à la fois aux exportations, d'une part, et à la reprise des importations, qui explique donc ce phénomène qui devrait se poursuivre, hein, selon diverses analyses. Sur l'ensemble de l'année, on estime que l'Inde représente à elle seule un tiers de l'excédent, pardonnez-moi, depuis le début de l'année, hein, depuis le début de l'année 2023, l'Inde représente un tiers de l'excédent du commerce extérieur russe, ce qui n'est pas surprenant hein, quand on voit notamment les relations dans le domaine énergétique et pétrolier entre les deux pays. On en a parlé ici de nombreuses fois. L'Inde est devenue l'un des principaux clients pour le brut russe en vue que ce dernier soit raffiné en Inde et réexporté vers d'autres clients. Troisième information, les sanctions, puisque M. Borrell a expliqué que pour l'heure, il n'y avait pas de consensus pour un 11e paquet de sanctions de l'Union européenne. Les nombreux pays qui sont, je dirais, les porte-drapeaux de la ligne dure, hein, à savoir les pays d'Europe orientale, souhaitent activement mettre Rosatom dans le 11e paquet de sanctions, mais pour l'instant, d'autres pays s'y opposent. Et pour l'instant, il n'y a donc pas de consensus pour un nouveau paquet de sanctions. J'ai également une information du côté de Yandex, puisque Yandex a achevé le rachat des parts de Uber dans la joint venture qu'ils avaient créée tous les deux. Uber détenait un peu moins de 29% du paquet d'actions. Ce paquet de 29% a été racheté donc par Yandex pour la somme de 702 millions de dollars. Autre information sur le gouvernement russe, un projet de loi a été déposé à la Douma pour augmenter l'impôt sur le revenu de 13 à 30% pour les ressortissants russes, pour les salariés russes qui seraient établis à l'étranger. Autrement dit, ceux qui souhaiteraient échapper à la mobilisation pour toute autre raison, y compris d'ordre idéologique, hein, qui se seraient donc exilés en quelque sorte en accord, c'est-à-dire en bonne intelligence ou en accord avec leur employeur. Eh bien, ces derniers ne seraient plus soumis à 13%, mais à 30% en vertu de ce projet de loi qui a été déposé, mais pas encore voté, hein. 30% d'impôt sur le revenu. Alors, ça porte à la fois pour les salariés, mais également pour les freelances, qui seraient donc employés depuis l'étranger pour des tâches. Cette mesure, cela dit, exclurait les salariés russes qui se trouveraient basés à l'étranger en vertu de leur contrat de travail. Autrement dit, c'est un contrat de travail qui a été réélaboré en bonne et due forme, et dans lequel il est indiqué que le salarié, dans le cadre de ses fonctions, exerce à l'étranger, eh bien évidemment, cela ne porterait pas sur cas de figure-là. Et enfin, un autre projet de loi sur tout à fait autre chose qui a été déposé à la Douma et qui vise à proposer de faire des territoires annexés en septembre, hein, donc les républiques du Donbass plus les régions de Kherson et Zaporogne, de faire de ces régions des zones économiques libres, un nouveau statut, hein,
qui cela entrerait en vigueur à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2050. On comprend que le but du jeu, c'est évidemment d'attirer de l'investissement et d'investissement privé dans ces régions qui sont encore des zones d'affrontement, évidemment, à l'heure actuelle. C'est un nouveau statut, une zone économique libre. On n'en a pas encore. En fait, on en a une en Crimée, mais sinon, on connaît plus communément les zones économiques spéciales ou les territoires de développement spéciaux ou de développement accéléré qui sont j'allais dire, disséminés sur le territoire de la Fédération. Mais le statut de zone économique libre, eh bien, pour l'instant, ne concerne que la Crimée et donc pourrait être étendu à ces territoires annexés en septembre. Projet de loi déposé qui, pour l'instant, n'a pas encore été voté. Je passe à la politique avec une première information qui porte sur M. Peskov, porte-parole du Kremlin, qui a effectivement révélé que son fils avait pris part à l'opération spéciale dans la zone de l'opération spéciale, dans les rangs de Wagner. C'est une information donc, qui est sortie il y a quelques heures, enfin hier, me semble-t-il. Ça a été donc confirmé à la fois par M. Prigogine, hein, le fondateur et directeur, on pourrait dire, de Wagner, mais également par M. Salovyov, qui a fait un reportage à ce sujet-là. Reportage où l'on aperçoit en uniforme le fils de M. Peskov, et les images sont manifestement datées de janvier 2023, mais à l'heure où cette information a été donc publiée, à savoir très récemment, hein, une fois de plus hier, eh bien, le fils de M. Peskov n'est plus dans la zone de l'opération spéciale. Il aurait terminé son contrat dans le cadre de Wagner. La question, c'est donc de savoir pourquoi cette information sort maintenant et pas plus tard, ou pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été publiée pendant le service du fils de M. Peskov dans les rangs. Il y a deux hypothèses en gros qui ressortent. Hein. L'une, c'est de dire que M. Peskov est assez, comment dirais-je, il fait pas unanimité parmi ceux qu'on appelle les durs. Et par conséquent, c'est un moyen pour lui un petit peu de redorer un peu son image auprès de cette frange très intransigeante et patriotique. Et l'autre, comment dirais-je, hypothèse. Eh bien, c'est de dire qu'il y a un signal qui est envoyé aux élites pour dire que personne dorénavant ne sera à l'abri et que, y compris les élites, potentiellement, devront envoyer leur fils, leur frère au front et que ce ne sera plus, comment dirais-je, une mission qui sera réservée uniquement à tout le reste de la population et surtout de la population qui se trouve en région. Alors, l'autre information en termes de politique, eh bien, c'est la polémique très vive qui s'est créée entre Navalny et Khodorkovsky, entre Monsieur Navalny et Khodorkovsky, puisque Monsieur Navalny reproche à l'ancien oligarque d'avoir recruté Rostislav, excusez-moi, Mourzagoulov, ancien conseiller du chef du Bachkortostan, Monsieur Kabirov et pas Kadirov, hein, ne confondons pas. Qu'il accuse d'avoir joué un rôle dans l'arrestation en 2021 de la responsable de son mouvement, Aoufa. M. Khodorkovsky se défend et déclare que Mourzagoulov est opposé au pouvoir en Russie, hein, et qu'il est soutenu par Alexeï Venediktov, notamment ancien rédacteur en chef de la radio Écho de Moscou. Donc, polémique, j'allais dire, entre opposants contestataires russes. Et toujours sur la rubrique politique, une dernière nouvelle, puisque une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et Andrei Tourtchak est prévue ces prochains jours. Alors, M. Tourtchak, c'est le numéro 2 du Conseil de la Fédération et de Russie unie. Il s'est rendu à plusieurs reprises dans la zone de l'opération spéciale. Et M. Tourtchak dirige le groupe de coordination pour les questions liées à l'opération spéciale. Il a déjà remis à cet égard deux rapports qu'on avait évoqués dans nos séminaires précédents, un le 16 février et le second le 17 mars, rapports qui ont été remis à Vladimir Poutine pour décrire la situation dans la zone de l'opération spéciale. Et manifestement, c'est donc un canal d'information qui serait apprécié par le Kremlin. Et c'est donc à ce titre-là que Vladimir Poutine compte recevoir M. Tourtchak dans les tout prochains jours pour savoir ce qu'il en est dans la zone de l'opération spéciale. On rappelle que Vladimir Poutine s'y est rendu la semaine dernière, qu'il était également à Marioupol il y a quelques jours. Et évidemment, il y a tout le reste. Et donc, il souhaite manifestement savoir plus sur ce qui se passe sur l'ensemble de la zone. J'en viens maintenant à la rubrique diplomatie.
ou ce qu'il en reste, hein, comme je dis chaque fois, avec tout d'abord une nouvelle sur le format de Rammstein, hein, puisque vous savez, c'est ce groupe de contact pour la défense de l'Ukraine qui regroupe en gros une soixantaine de pays qui fournissent une aide militaire de différentes natures à l'Ukraine. Eh bien, ce groupe de Rammstein a tenu sa 11e rencontre en fin de semaine dernière pour discuter voilà, d'une nouvelle coordination de l'assistance militaire à l'Ukraine. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette 11e édition? Bon, tout d'abord, il a été rappelé que de très nombreux militaires ukrainiens sont en formation à travers l'Europe et sur le territoire de ces différents pays qui aident l'Ukraine. Des chiffres qui ont été donnés, 25 000 militaires ukrainiens sont en cours de formation, 8 000 ont déjà été formés. Bon, rien de vraiment très nouveau là-dessus, c'était plutôt un bilan que réellement des nouvelles propositions et des nouvelles annonces, hein. Deuxième point, les pays ne sont pas entendus sur les livraisons d'avions de chasse à l'Ukraine. Ça, c'est pas vraiment une surprise, hein, on le savait déjà avant. Les pays qui aident l'Ukraine mettent plutôt l'accent sur la nécessité pour Kiev eh bien, de disposer de systèmes de défense antiaérienne et donc vont plutôt s'efforcer de consolider la défense antiaérienne en Ukraine. Il y a également un point qui a été donné sur calendrier hypothétique d'une future contre-offensive ukrainienne, celle qui est attendue depuis de longues semaines. Manifestement, en raison de conditions météorologiques défavorables, celle-ci ne pourrait pas avoir lieu avant au moins un mois. C'est ce qui ressort des déclarations de différents responsables de l'OTAN qui étaient donc présents dans cette réunion. Et enfin, les États-Unis ont rappelé qu'ils ont contribué à hauteur de 55 milliards de dollars à l'assistance militaire de l'Ukraine. Donc, comme je vous le disais, rien de vraiment très nouveau sur le fond, pas de nouvelles annonces de livraison de matériel, j'allais dire, très susceptible d'attester d'une montée en gamme. Hein. Certains pays ont annoncé qu'ils allaient livrer 2-3 unités de blindés légers ou 2-3 unités de blindés qui permettent de ramasser des blessés sur le champ de bataille, hein. Mais rien de vraiment très, très substantiel. Deuxième information, elle nous amène sur les relations entre l'Allemagne et la Russie, puisque l'Allemagne a décidé d'expulser une vingtaine de diplomates russes ce week-end. C'est une annonce qui avait déjà été, comment dirais-je, faite. En tout cas, l'information avait été déjà annoncée au courant du mois de mars que l'Allemagne s'acheminait vers l'expulsion, une nouvelle vague d'expulsion de diplomates russes. Eh bien, celle-ci a été formalisée ce week-end. C'est une décision qui a été prise à l'initiative de Madame Annalena Baerbock, hein, ministre allemande des Affaires étrangères, au motif que ce personnel diplomatique se livrerait à finalement des missions d'espionnage qui dépasseraient largement le cadre de leur mandat dans l'ambassade d'Allemagne à l'ambassade de Russie, excusez-moi, à Berlin. La réponse russe ne s'est pas fait attendre. Le MID a annoncé l'expulsion de 34 diplomates allemands sur les 90 qui travaillent à l'ambassade d'Allemagne. Troisième information, c'est le G7 qui envisage d'interdire toute exportation, un embargo général vers la Russie. C'était une information donc, qui a été publiée le 21 avril. Alors, c'est pour l'instant, on dirait une idée hein, qui est mise sur la table et qui atteste finalement du fait que eh bien, les sanctions qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui ont montré leurs limites et que par conséquent, les pays occidentaux cherchent autre chose à sanctionner. Le G7 donc qui annonce, hein, qui envisage ce type d'embargo général et qui parallèlement annonce soutenir et comment dirais-je soutenir à la fois la prolongation et l'élargissement de l'accord sur les céréales qui est encore en vigueur et qui dénonce le fait que la Russie instrumentalise cet accord à des fins géopolitiques. Côté russe, c'est Dmitri Medvedev, hein, l'ancien premier ministre, ancien président, qui a répondu en expliquant que si jamais eh bien, le G7 décidait de tout simplement imposer un embargo sur toute forme d'exportation vers la Russie, eh bien, la Russie se retirerait unilatéralement de l'accord céréalier. Je rappelle que le G7 aura lieu entre le 19 et le 21 mai au Japon et que pour l'instant, ce sont des réunions préliminaires qui ont lieu entre les ministres des Finances, les ministres des Affaires étrangères, enfin différents formats du G7. G7 élargi, puisqu'on trouve également des représentants de l'Union européenne, mais également, excusez-moi,
des représentants de l'Ukraine. En tout cas, M. Zelensky sera invité en visioconférence à participer au G7 au mois de mai. Autre information concernant les BRICS, Vladimir Poutine a reçu une invitation, d'après M. Peskov, une invitation de la part de l'Afrique du Sud pour venir prendre part en présentiel, comme on dit maintenant, au sommet des BRICS qui se tiendra donc à Durban fin août. Reste à savoir s'il ira. Hein, vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui et que, qu'à ce titre-là, eh bien, toujours le risque de que cela remette en cause au minimum un certain nombre de ces déplacements internationaux. Et puis je terminerai par une information qui nous emmène du côté du Kazakhstan, puisque le Kazakhstan a décidé aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de parade du 9 mai cette année pour des raisons officiellement financières, mais également parce que l'armée kazakhstanaise aurait mieux à faire, d'après le ministre kazakhstanais des Affaires étrangères. À cet égard, en ce qui concerne le 9 mai, la parade du 9 mai en Russie, il semblerait que le seul dirigeant étranger qui pourrait y prendre part soit Sadir Japarov, hein, le président du Kirghizistan, qui pourrait donc y assister en étant physiquement à Moscou le 9 mai prochain. Voilà, Gilles, pour les nouvelles de ce début de semaine. Il y avait beaucoup de choses riches et passionnantes. Alors, je suis assez intrigué par l'annulation du défilé du 9 mai au Kazakhstan. Est-ce que c'est un signe politique de prise de distance avec, avec l'histoire, avec Moscou, avec la Russie? Est-ce que dans les autres, les anciennes républiques, c'est un défilé qui existait encore? Est-ce que tu sais tout ça? Oui, c'est un défilé qui était quand même commun, en gros, à l'espace post-soviétique. Enfin, modulo, et c'est pas une, comment dirais-je, une surprise. Les pays baltes, hein, évidemment, eux, ils ont une toute autre lecture de cette période historique. Mais pour ce qui est de, disons, même de l'Ukraine, hein, jusqu'à une époque qui devient de plus en plus lointaine, on va dire. Mais évidemment, en Biélorussie, en Asie centrale, dans le Caucase aussi, alors là aussi, évidemment, en Géorgie, les choses sont plus compliquées, mais il y avait des défilés, il y avait des festivités, puisqu'il y a là, encore aujourd'hui, d'une certaine manière, un socle historique relativement commun, mais qui donne lieu à des réinterprétations. Côté russe, une crispation, une sacralisation de deuxième grande guerre patriotique, évidemment, hein. Mais évidemment, du côté d'autres pays, une lecture plus, j'allais dire, un peu plus. Classique, plus traditionnel, plus souple, en tout cas moins crispé. Et sur les pays qui cherchent à prendre le large, à s'émanciper, eh bien voilà, de ce qu'on appelle l'orbite de la Russie, hein, entre guillemets, eh bien évidemment là une distanciation et voire une relecture de toute cette période-là, comme je le disais. Donc le Kazakhstan, on a du mal à imaginer qu'il n'y a pas un signal politique sous-jacent, hein, et on a du mal à ne pas le relier à des pressions que peut subir le Kazakhstan de la part des Occidentaux. Alors non pas pour ne pas tenir le défilé, mais pour prendre cette distance à l'égard de la Russie, ça peut se traduire par le fait qu'il n'y aurait pas de défilé, de manière à envoyer le signal que voilà, cette année on passe le tour pour voilà, comment dirais-je, un petit peu se distancier de tout simplement de la politique étrangère russe. Et je rappelle que le Kazakhstan, évidemment, a toujours été un petit peu gêné par cette guerre en Ukraine et qui, évidemment, comment dirais-je, non seulement ne cautionne pas, mais a eu des prises de position qui l'ont quand même pas mal démarqué de Moscou. Et évidemment, là-dessus, il n'y a rien à voir avec les prises de position prises par exemple par Loukachenko en Biélorussie, qui est beaucoup plus sur le même diapason, avec des nuances, hein, qu'il ne faut pas ignorer, mais quand même beaucoup plus au diapason avec Moscou. Évidemment, rien de tel en ce qui concerne le voisin kazakhstanais. D'accord, c'est plus clair comme ça. On nous indique que s'il y a une invitation en présentiel au président Poutine par les Sud-Africains, c'est qu'ils lui garantissent l'impunité, j'imagine. Bah, j'en sais rien. Moi, je trouve déjà intéressant que l'invitation ait été adressée. Alors, on pourrait dire oui, c'est normal, c'est un des grands chefs d'État des BRICS, etc. Mais il y a quand même ce contexte avec ce mandat d'arrêt. Cela dit, je ne pense pas que le fait que l'invitation soit émise, ça garantit le fait que Vladimir Poutine ira. Moi, je ne serais pas aussi, je serais pas aussi sûr dans cette interprétation-là. C'est déjà un signal, il y a un signal politique en soi. Et puis, on affirme, on annonce que l'invitation a été émise. Par conséquent, c'est aussi l'idée de montrer que pour l'Afrique du Sud, il y a une forme de
je dirais pas d'indifférence, mais on continue notre agenda, entre guillemets, alternatif, hein. Les BRICS, je rappelle, ont un agenda qui prétend instaurer des formes de financiarisation du monde, mais alternative, indépendante des circuits occidentaux, de la mainmise américaine sur le FMI, avec la Banque mondiale, etc., etc., qui sont des institutions qui sont à l'origine d'obédience occidentale. Maintenant, on sait qu'avec le temps, les choses se sont un peu rééquilibrées, mais quand même, globalement, elles restent inscrites dans l'orbite occidentale, et avec le dollar derrière, qui évidemment symbolise un peu toute cette mainmise des États-Unis sur le système libéral mondial. Bon, je rappelle les déclarations de Lula, hein, que j'avais citées la semaine dernière, hein, où Lula, en visite à Shanghai, appelait à mettre fin au système de Bretton Woods, fin à la domination du dollar, etc. Bon, ça reste un peu dans cette logique-là, hein, de bâtir sur le long terme, hein, quelque chose d'autre, quelque chose qui permettrait en tout cas d'avoir le choix de ne pas forcément être tributaire exclusivement ou quasi exclusivement des institutions que j'ai citées. Donc voilà, pour l'instant c'est ce contexte-là, on le connaît, il n'y a rien de fondamentalement nouveau sur le positionnement. Le suspense, c'est évidemment est-ce que Vladimir Poutine ira, et comme je l'ai dit, le fait que l'invitation soit émise, pour moi, ne veut pas dire qu'il ira automatiquement en Afrique du Sud à ce sommet. Alors, pour rebondir sur la question sur le Kazakhstan, nos auditeurs nous disent de 2 ans, si ma mémoire est bonne, après l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan prend des mesures pour intensifier l'emploi particulièrement officiel du kirghize. Simple mesure administrative ou opportunisme politique? Donc, est-ce que la question plus fond, est-ce qu'il y a un mouvement centrifuge des anciennes républiques ou pas? Oui, enfin, il y a hein, ce mouvement, si on regarde depuis 30 ans, 40 ans, la tendance, et puis notamment les locuteurs du russe dans ces régions en Asie centrale, ils sont en diminution, hein. Ils sont évidemment en diminution. Alors au Kazakhstan, il reste évidemment plusieurs millions de russophones, donc là, c'est une autre catégorie, mais pour les autres pays d'Asie centrale, oui, l'occasion, c'est un peu un effet d'occasion, c'est-à-dire qu'évidemment la Russie est accaparée par d'autres dossiers, l'Ukraine, les sanctions, etc. Donc passer ce, comment dirais-je, cette mesure pour promouvoir la langue nationale, hein, c'est oui, c'est un petit peu, c'est un peu oui, une occasion. Mais une fois de plus, ça reflète une tendance qui est un petit peu générale sur la zone. Je rappelle que même au Kazakhstan, entre le Kazakhstan et la Russie, il y avait eu des tensions sur cet aspect de la langue, hein, linguistique, puisque il y a aussi le kazakhstanais et que, comment dirais-je, le fait que le russe soit la langue, entre guillemets, des élites ou la langue de l'administration, bon, ça le reste encore, on le voit aujourd'hui, hein, pour les diplomates, pour autres, ils sont tous russophones, mais évidemment, on ne peut pas ignorer la réalité de la langue, entre guillemets, vernaculaire, la langue nationale, qui est une réalité, et une fois de plus, une tendance depuis plusieurs maintenant décennies, avec en plus la disparition, en tout cas le tarissement des zones de population russe, entre guillemets russe ethnique, hein, qui étaient installées là depuis l'époque soviétique et qui ont tendance à retourner en Russie, ou en tout cas, à ne pas re leur présence ne se renouvelle pas vraiment, ce qui contribue petit à petit, très lentement, mais néanmoins à l'extinction de la présence du russe dans certaines zones d'Asie centrale. Alors, une question, vous n'avez pas tout à fait la même chose, mais je rebondis là-dessus. Je pose la question sur ce dont tu parlais au début de ton intervention, l'aspect économique, le manque de main-d'œuvre, et donc sur certains métiers en tension. D'une part, est-ce que c'est lié au nombre de soldats qui sont au front et peut-être aussi des gens qui sont partis, ou est-ce que c'est plus structurel? Et est-ce que ça peut se régler éventuellement? Enfin, est-ce qu'une des solutions peut être un recours à l'immigration, justement des fameux pays plus ou moins russophones de l'ancien empire soviétique? Alors, j'ai l'impression que moi, c'est quelque chose de structurel qui a été un peu aggravé, oui, par le fait qu'on a dégarni, qu'on a en gros retiré 200, 300 000, 300 000 hommes, donc de 300 000 mobilisés. Évidemment que ça n'aide pas. Et ça n'est pas une tendance qui est déjà structurelle. Je rappelle qu'on avait eu un phénomène similaire et assez surprenant dans la période post-pandémique, mais je dirais le Covid était encore là. Alors, je ne sais plus quelle vague c'était, hein, j'ai déjà oublié, mais à l'époque, il y avait donc de gros points d'interrogation sur est-ce que l'économie ne peut pas tenir ou pas le choc, tout le monde qui était enfermé à la maison, des espèces de confinement. Bon, alors en Russie, le confinement, c'était quelque
quelque chose d'assez théorique, mais néanmoins, il y avait beaucoup de points d'interrogation et on s'est aperçu que l'économie russe est repartie très très vite. Dès, me semble-t-il, la fin 2020, en tout cas 2021, c'est sûr, il y avait une risque de surchauffe, puisque là, il y avait une reprise de croissance, hein, croissance certes légère, mais néanmoins, en tout cas, la récession n'avait pas été celle qu'on a pu connaître dans la zone, notamment dans la zone euro. Et par conséquent, il y avait une reprise avec un risque de surchauffe, puisqu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Alors, ce n'était pas forcément les mêmes secteurs, mais c'était ce qui se passait donc entre 2020 et 2021. Là, je pense qu'on est un peu dans le même cas de figure pour tout à fait d'autres raisons. Là, c'est pas la pandémie, évidemment, qui font que néanmoins, l'économie russe a tenu le choc. Ça, on l'a vu et nous, on commente ici depuis des mois. Hein, en tout cas, le choc initial des sanctions. Et comme je le disais, les pays occidentaux ont du mal à trouver maintenant de nouveaux objets à sanctionner. Et que par conséquent, il y a une forme de reprise. Je renvoie aux chiffres du FMI qui ont été publiés en début d'année et qui semblent être confirmés par d'autres institutions internationales. Donc, il y a une reprise. Il y a un chômage qui, me semble-t-il, est pratiquement inférieur à 4%. On est quasiment dans le cadre du chômage résiduel, hein, ou chômage structurel, enfin, pas vraiment aller en dessous. Et donc, oui, il y a pénurie de main-d'œuvre. Alors, il y a les secteurs que j'ai cités. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, autant il y a certaines niches qui pourront être comblées avec de l'immigration de travail, c'est certain. En étant, il y en a d'autres, prenons des postes un peu plus liés, qui ont du mal à trouver, comment dirais-je, de la ressource dans le bassin d'emploi, entre guillemets, de l'Asie centrale. Il faudra aller chercher ailleurs. La question, c'est où, qui va venir travailler en Russie? Est-ce que ça va être, c'est pas moi, des Indiens ou des Chinois? Moi, j'en sais rien. Il faudra surveiller. Et c'est sûr que là, on est un peu sur une zone de tension, avec des secteurs qui ne trouvent plus suffisamment d'employeurs. Est-ce que pour autant on va assister à une augmentation des salaires pour essayer d'attirer un peu plus de main-d'œuvre et susciter des candidatures? C'est possible, mais il n'empêche que si le bassin de recrutement est déjà presque à sec, vous pouvez monter les salaires, vous n'allez pas changer radicalement la situation. Historiquement, il y avait une main-d'œuvre qui venait beaucoup du Vietnam. Est-ce que c'est une solution encore? Alors, ça dépendait des secteurs là aussi, hein. Ils étaient sur des industries agroalimentaires, les Vietnamiens, notamment l'industrie du lait, mais pas seulement. Les fermes aussi, il y avait des Vietnamiens. Ça pourra l'être, mais une fois de plus, je ne pense pas que ça peut vraiment inverser cette tendance. Il y a quand même, on l'a dit, les 300 000 mobilisés. Il y a plusieurs centaines de milliers, on ne sait pas combien en réalité, 500 000, 600 000, qui sont partis de leur plein gré après l'annonce de la mobilisation partielle. Et en réalité, il y a eu la première vague aussi du mois de mars, hein, où on a vu des gens partir spontanément. Enfin, l'un dans l'autre, je pense qu'on est quand même pas loin du million, voire peut-être un peu plus au-dessus du million. C'est une population généralement qui est active, hein, c'est pas des retraités qui sont partis, en tout cas, ils sont loin d'être majoritaires. Donc voilà, il y a effectivement probablement un point de tension à ce sujet-là. Après, sur certains segments, certaines niches, une fois de plus, oui, il y a des nationalités qui avaient des spécialités sur certains secteurs, dans certaines régions, on pourra localement combler, hein. Mais là, en réalité, il y a un sujet de politique publique qui doit être traité, à mon avis. Merci. Toujours pour revenir sur la première partie de ton intervention, on demande la reprise des importations. Qu'est-ce qui est importé de nouveau ou en plus et d'où? Alors, il faut regarder là aussi les produits de consommation. Et le grand problème, c'est que, tant que chercheur, nous, avant, on travaillait beaucoup avec les bases de données, notamment celles des douanes. Maintenant, ces bases de données ne sont plus accessibles. Et c'est regrettable. Bon, elles ne sont plus accessibles pour des raisons qu'on peut comprendre, hein, mais ce qui est très regrettable, parce qu'elles étaient extrêmement riches, elles étaient extrêmement précises, très, 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 très fouillées. Et donc, on avait vraiment une vision relativement, j'allais dire, exhaustive de ce qui s'importait, d'où, dans quelle quantité, pour quel volume, etc. Là, on n'a plus accès à tout ça. On a des données très très parcellaires, mais on peut avoir accès à certaines données parce qu'il y a des industriels qui publient, qui parlent, des choses qui. Il y a Rostat qui publie encore des choses.
mais évidemment, ce n'est pas aussi fouillé que ce qu'on avait avant. Alors, c'est un premier élément. Donc, deuxième élément, il y a tout ce qui vient finalement par les importations parallèles. Et on sait que dans les importations parallèles, il y a quand même énormément de choses qui passent. Des produits de consommation courante, cosmétiques, ça peut être enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Les voitures, hein, on sait que les voitures, des marques informatiques, des ordinateurs, enfin là, la liste est en réalité assez longue. Mais ça fait lien avec ce que je disais juste avant. Comme l'économie est loin d'être finalement aujourd'hui dans l'ornière, telle que certains le prédisaient dès février-mars 2022, eh bien, il y a un pouvoir d'achat relatif, en tout cas dans les grandes villes, c'est sûr, et les gens eh bien, continuent d'acheter des produits importés, alors même que ceux-ci sont quand même plus chers que ce qu'on pouvait trouver avant le 24 février 2022, qui était déjà pas toujours donné, hein. Mais là, évidemment, à travers les marketplaces, à travers tout simplement les canaux enfin, classiques, hein, le offline, hein, supermarché et autres, eh bien, on peut trouver encore beaucoup de choses importées. Alors parfois, c'est évidemment des choses qui sont plus chères, comme je l'ai dit. Mais bon, à mon avis, voilà, c'est des produits de consommation courante. Et donc, ça a commencé traditionnellement, ça creuse la balance commerciale, puisque c'est évidemment des choses importées. Et donc, ça creuse le déficit commercial, sauf que dans le cas de la Russie, eh bien, on est toujours dans l'excédent, puisqu'il y a le pétrole, le gaz et notamment l'Inde qui achète énormément de pétrole à la Russie. Un de nos auditeurs fidèles nous signale pour les importations, on trouve du coca iranien de marque Coca-Cola. Ouais. Et même du coca polonais. Polonais aussi, oui, d'accord. Alors, il y a quelques questions encore. Alors, une question sur la Serbie, mais qui est liée à l'OTAN. Donc, Kozit a répété que la Serbie n'était pas en mesure d'entrer en conflit avec l'OTAN, elle ne le voulait pas, malgré les efforts du Kosovo. Belgrade est-elle en train de céder sous les pressions ? Bah, ça fait des mois hein, que Belgrade est sous pression des Européens pour couper les ponts avec la Russie. Et sachant que, évidemment, la perspective qu'on lui fait miroiter, c'est l'adhésion à l'Union européenne, mais désormais, cela passe pour Bruxelles par tout simplement le fait de rompre les ponts pour la Serbie avec la Russie. Or, c'est pas évident. On a eu un événement à l'Observatoire à ce sujet sur Russie-Serbie il y a quelques semaines, avec un expert qui nous a très, très bien expliqué finalement tous les ressorts de cette relation russo-serbe. Et que pour le gouvernement serbe, les choses sont très loin d'être simples, qu'il y a véritablement un enjeu de stabilité intérieure. Si jamais la Serbie décidait unilatéralement tout simplement voilà, de couper les ponts et de se tourner à 100% sur l'agenda euro-atlantique ou en tout cas sur l'agenda européen, eh bien, ça n'irait pas nécessairement de soi en ce qui concerne la situation dans le pays. D'une part et d'autre part, il y a le verrou du Kosovo, puisque... l'idée c'est que la Serbie finalement finisse par reconnaître l'indépendance et la souveraineté du Kosovo à travers donc, son adhésion long chemin d'adhésion à l'Union Européenne, et c'est même le sujet qui est encore plus un sujet de stabilité intérieure que la relation avec Moscou. Donc en fait ils sont un peu dans une situation qui est très, très très difficile. On sent qu'il n'y a pas de volonté de couper les ponts avec la Russie, qui a une sympathie, enfin quelque chose qui va au-delà de la sympathie. Après, il y a ce qu'on appelle la raison d'État, hein, donc les relations avec l'Union européenne, avec Bruxelles, l'agenda qui a été entrepris de se rapprocher de Bruxelles pour les Serbes. Mais on voit qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu dans une situation extrêmement, extrêmement pénible, et avec des pressions européennes, des pressions de l'OTAN, des pressions en interne avec la question du Kosovo. Et donc, oui, ils sont dans cette espèce de triangle, j'allais dire, un petit peu très, très compliqué. Ouais. Merci. Doit-on s'attendre à une déclaration choc de Lavrov au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui ? Effectivement, la Russie en prend les rênes, si je comprends bien. Oui, ce qui avait fait d'ailleurs, comment dirais-je, clencher les foudres de M. Zelensky, des Ukrainiens, qui disaient que c'était... parfaitement inadmissible. Bon, de toute façon, M. Lavrov, il est un petit peu un habitué maintenant des déclarations au choc. Hein, donc, de toute façon, il en fait régulièrement. Donc, là, aujourd'hui, je ne sais pas trop, à vrai dire, ce qu'il pourrait encore annoncer de encore plus choquant.
Je m'attends, à vrai dire, non, je suis pas spécialement en attente d'une déclaration, d'une mesure quelconque qui, voilà, serait sortirait de l'ordinaire. Toujours sur le plan diplomatique, est-il vrai que les négociations Union européenne-Pologne ont échoué parce que Varsovie a voulu interdire aussi d'autres produits agricoles, volailles notamment, que les céréales? Alors, je ne sais pas si c'est la seule raison, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu aussi dans ces négociations entre les pays d'Europe orientale dont je parlais la semaine dernière, qui ont décidé de cesser les importations de céréales ukrainiennes et même leur transit par leur territoire, il y a eu un moment dans le panier les discussions sur d'autres biens alimentaires qui sont arrivés. Effectivement, alors, est-ce que c'est ça qui a fait pencher la balance? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, en tout cas, je n'ai pas vu passer l'information, mais c'est un sujet qui a été évoqué. Et je rajoute que, outre le fait qu'aujourd'hui, c'est la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie qui ont décidé de cesser les importations et le transit, avec exception pour la Hongrie qui autorise toujours le transit, c'est aussi la Bulgarie qui a décidé, entre-temps, hein, depuis notre dernier point de situation, de cesser les importations de céréales parce que les céréales ukrainiennes tuent le marché national, elles sont beaucoup moins chères. Et donc étrangle les producteurs et les fermiers locaux. Mais il s'est posé la question, effectivement, d'élargir l'embargo, enfin entre guillemets l'embargo, hein, sur les céréales ukrainiennes à d'autres produits alimentaires exportés par l'Ukraine vers ces pays-là. Alors, une question à laquelle tu auras peut-être un peu de mal à répondre, mais quelle est la raison profonde de la prolongation de ce conflit en Ukraine? Deux points. Intérêt au statu quo ou incapacité militaire de la Russie et ou des Occidentaux à emporter une victoire définitive? Il y a, bon, alors sur l'incapacité militaire de la Russie, je ne me prononce pas, hein. En revanche, ce qu'on sait, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, Russes comme Ukrainiens continuent de tout miser sur le champ de bataille pour faire la différence et pour l'emporter. Alors la question, c'est ce que veut dire l'emporter. Pour les Ukrainiens, c'est au minimum retour sur la ligne du 24 février 2022, voire, en tout cas sur le déclaratoire, reprise de contrôle de la Crimée, etc., etc. Ce à quoi d'ailleurs croient de moins en moins les sponsors occidentaux de l'Ukraine, à commencer par les Américains, qui le disent de plus en plus fort et clairement, hein, que pour ce qui est de la Crimée, ils ont quand même d'énormes doutes. En tout cas, on comprend qu'ils ne suivraient pas forcément sur cette direction-là. Et même, ils ont de sérieux doutes sur la capacité des Ukrainiens à revenir sur la ligne du 24 février, tout simplement. Et je rappelle toujours ici les auditions données par. Les auditions du chef d'état-major américain, donc M. Milley, notamment, en fin d'année dernière, mais de d'autres responsables de sécurité américains qui, voilà, qui expliquent que, et on peut les croire bien informés quand même, hein, que militairement, d'après eux, ce conflit ne va absolument nulle part. Bon. Maintenant, le fait est que de part et d'autre de la ligne de front, eh bien, les belligérants sont quand même aujourd'hui exclusivement sur ce portage, hein, et d'après à ce stade, considèrent que seule la bataille, le champ de bataille, déterminera qui est finalement le vainqueur, qui l'emporte. Et donc aujourd'hui, c'est évidemment, on a passé l'hiver finalement à attendre une contre-offensive qui viendrait de quelque part. Et elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu parce qu'évidemment, on est depuis un an sur quand même des affrontements, alors pas le long des 1 200 km ou pratiquement 1 200 km de front, hein, mais des affrontements qui sont extrêmement violents, mais localisés sur des points très chauds du front et qui sont évidemment très consomment beaucoup de ressources, des munitions, etc., etc. Et donc, mais on sait que de part et d'autre, les protagonistes se préparent également. Au chapitre d'après, le chapitre d'après, ça pourrait être une contre-offensive de l'Ukraine. Ça pourrait être côté russe aussi localement des opérations pour, comment dirais-je, compliquer les choses pour les Ukrainiens. Bon voilà, c'est le brouillard de guerre, mais on sait que les choses se préparent sur le terrain. Et ici, on a pour habitude de ne pas aller très loin dans le commentaire de ce genre de sujet, pour des raisons que chacun comprendra. Nous en garderons bien, en tout cas. Alors, peut-être dernière question, probablement parce que j'en vois plus beaucoup d'autres. On nous suggère une troisième hypothèse pour la présence du fils Peskov chez Wagner. Ce serait une action idéologique pour montrer que tout le pays est tout entier dans l'action, y compris les enfants des élites. C'est-à-dire que ce ne serait pas une menace, comme tu suggérais, mais au contraire, une mise en avant en disant, vous voyez, tout le monde y va et le cœur vaillant.
et que, bon, bien entendu, l'auditeur suggère que le fils Peskov n'aurait pas été mis dans une situation trop dangereuse au front. Oui, ça me rappelle, alors je ne sais plus lequel des deux princes britanniques, Harry et William, qui étaient en Afghanistan. Je me souviens à l'époque, il y avait eu des reportages pour dire lui aussi va en Afghanistan. Bon, évidemment, je ne compare pas les contextes, très différents, hein. Mais en tout cas, sur le voilà, sur le l'information qui a entre guillemets un VIP qui est envoyé dans une zone de combat. Oui, non, bah, c'est possible qu'il y ait aussi une opération, je dirais plutôt une lecture plutôt positive de cette information. Je remercie l'auditeur pour sa remarque. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, alors je confesse que j'ai pas regardé le reportage de Salaviov, donc je peux pas voir les expressions du visage de la personne. De toute façon, j'ai vu des photos, il avait le visage quand même relativement masqué, avec un casque, une espèce de foulard, etc. Mais bon, il s'est présenté comme étant le fils de Peskov, et là-dessus, apparemment, il y a consensus pour dire que c'est lui, donc je rentre pas sur le terrain de la polémique pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai là-dessus. Hein. Mais voilà, il est difficile de savoir s'il était là de son plein gré ou pas. Enfin, on a du mal à l'imaginer quand même qu'on l'a forcé à aller dans les rangs de Wagner, à y passer X semaines ou X mois. Dans cette zone-là. Donc, c'est possible, oui, c'est possible. Puis il y a aussi une lecture qu'on puisse faire à contrario, de dire, bah, en fait, tout le pays est derrière, y compris des fils de, voilà, de hauts représentants, très hauts fonctionnaires russes. Oui, on peut effectivement voir les choses comme ça. Oui. Merci beaucoup. Mais écoute, on va finir là-dessus. Donc, je vais donner rendez-vous à tout le monde jeudi. J'imagine que tu seras là, et ainsi qu'Arnaud, si vos agendas le permettent. Voilà. Donc, nous serons à notre 139e briefing, ce sera bien. Petit rappel pour les Moscovites que le 30 mai, on a une conférence conjointe avec Coffee Industria, l'association des industriels italiens en Russie, sur les entreprises étrangères dans le contexte actuel. Donc, ça va répondre aussi à un certain nombre de questions. Donc, tous ceux qui sont présents à Moscou sont cordialement invités. Comme toujours, tenez bon. La CCI François se tient à vos côtés et on se retrouve jeudi, où on vous donnera d'ailleurs jeudi le planning pour les fêtes de mai, parce qu'on n'a pas encore décidé ce qu'on fera exactement pour les briefings. Donc, bonne soirée à tous, bon courage, à jeudi. Merci encore, Igor. Merci, au revoir.